Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Hunt Showdown avec Kinder. Malheureusement, vous l'entendrez pas. Vous n'entendrez pas son micro, un petit problème à l'enregistrement. C'est pas grave, on va faire avec pour cette fois-ci. Ce sera corrigé pour les prochaines vidéos. Quoique, il y aura peut-être une autre comme ça dans ce cas-là. Alors, on est sur Hunt Showdown. Hunt Showdown, c'est un petit jeu entre un BR, un jeu de cow-boy, PVE, PVP. On est une douzaine sur la carte. Le but, c'est d'aller chercher des primes, donc de battre un boss en fait, et de réussir à s'enfuir, à s'extraire de la map avec le boss. Sachant que les autres joueurs du coup vont essayer de vous counter, de vous empêcher de sortir ou de venir carrément vous buter pendant que vous faites le boss. Et autour de ça, on est sur un jeu assez noir. On est un peu sur un décor un peu Louisiane américaine des années je ne sais combien. Très sympa. La bande son est super sympa dans les menus et puis le jeu en lui-même est plutôt bien pensé. Je vous laisse le découvrir. Bon visionnage. Mais il est de ton côté le truc, putain. Je viens de prendre un kit. On peut le ramasser? Ah non, putain, merde. Go tout droit là. Il est là. Vas-y, go là. Touchez de fin. Touchez de fin. Yeah.
Pourquoi j'ai des pucerons sur moi? Ferme la porte, on sécurise un peu. Il y a plein de pièges là. J'en mets partout, hein, au rez-de-chaussée. Une porte là aussi. Hop. Ah, t'as mis devant. Ah merde. Mais il y en a deux. Pas le prendre moi. Ah ouais, ça va. Il y a de l'espace là-haut. Et en fait, le Wallach là, c'est. On en a 4, mais 4 en tout, à nous deux. Pas 4 chacun. Ah d'accord, faut l'enlever en fait. Ah bah c'est eux qui tirent. T'en vois? Ah, ils tirent sur toi là.
je vois. Il est là, hein, ouais. C'est ce que je pensais. T'es sur le toit, toi? Je vais peut-être venir avec toi. Ah putain, il y a l'autre guêpe de merde. Ah, je t'ai mis une basse, je crois. Je suis désolé. Ils sont de quel côté? Je vois pas. On voit rien en vrai. Ah mais il nous voit quoi. Ouais je sais mais bon, il nous voit quand même. Attention, ils avancent. Là, ils courent. Passe à gauche. Bien, wesh. Doit pas être loin. Putain, t'es vraiment une petite pute. Bah, vu qu'il avait un pompe, je me suis dit je vais m'éloigner un peu. Ici à tempo.
me reste une seconde, moi, perso. Ah ouais, ok. Vas-y, regarde autour s'il n'y a pas du monde. Ah putain, il a un bon gun, lui. C'est l'automatique, là. Il est bien, lui. Ah ouais, tu crois que ça vaut pas le coup que je le prenne? Et le... son pompe là, main noire, c'est un légendaire. Allez hop, c'est pas au bibis. Pourquoi je peux pas recharger? J'ai pas de munitions. Oh. Les pistolets, j'ai des munitions. Justement. Il me reste 3 secondes. J'en prends une ou j'en utilise une pour voir? Non, mais garde-les, j'en ai 3, je vais en utiliser une. J'ai plus de silencieux. Personne autour de nous. C'est bon, j'ai ce qu'il faut. J'ai vu le bastos. Il me reste plus qu'une seconde en fait, j'ai craqué, j'ai utilisé 2 secondes. Les autres se sont extraits du coup. Personne, y a personne. J'en ai plus. Moi c'était l'inverse justement parce que j'avais pas d'arme de corps à corps entre guillemets, enfin j'avais pas de pompe tu vois. Donc je me suis dit non, je vais pas le foncer dessus tu vois. Nice.
Ça se trouve, les mecs se sont extraits avec le boucher là, ou je sais pas quoi. Ah, c'est une charrette. Putain, comment c'est chaud, vieux, pour se protéger autour de la charrette. Comment qu'on puisse venir là? Bon, ah, si, ça va quand même. Non, vous êtes obligé de trouver un nouveau point d'extraction, vos chevaux sont morts. Putain.